Voilà, bonjour. Bonjour le Maroc. Voilà, alors je me présente, je m'appelle David Thévenet. Je suis un adhérent du club de sport Formule Sport qui se trouve au Ponté. Et je suis chrétien de religion et j'ai l'habitude de mettre en pratique ma foi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je vais dans les rues, je prie pour les gens qui sont malades, etc. Et je fais aussi de l'humanitaire en Afrique, par exemple. Et j'ai été très touché quand j'ai fait la connaissance de Momo, qui est à côté de moi, Mohamed Assoui. Je savais que lui aussi faisait de l'humanitaire. Et dernièrement, suite au tremblement de terre qu'il y a eu dans le sud du Maroc, il a fait appel à moi. Lui, Momo, c'est un ami qui est musulman. Et moi, je suis chrétien. Et je voudrais que, par ce témoignage commun, on puisse affirmer que la fraternité va au-dessus de toute chose. Avec beaucoup de joie et d'enthousiasme avec Momo. On a eu quelques problèmes à la douane parce qu'on est venu avec des produits, etc. Et effectivement, la loi est très stricte. Donc on a dû s'acclimater, changer un peu notre programme. Mais ce n'est pas un problème. On a acheté des produits, on a acheté du lait, on a acheté des couches, etc. Et avec des effets personnels. Donc on a, par exemple, hier été visiter un orphelinat. Et c'était quelque chose d'extraordinaire de voir tous ces enfants. Il y avait des enfants abandonnés, des bébés abandonnés, des enfants abandonnés ou laissés par leurs parents, ou orphelins tout simplement, ou des enfants trisomiques. Et j'ai eu beaucoup de joie et beaucoup de compassion pour tous ces jeunes, tous ces enfants qui sont en besoin, quoi. Et la directrice de l'orphelinat est une, moi je l'appelle une sainte, parce que j'ai vu, elle avait les larmes dans les yeux quand elle nous a vus avec les gâteaux, avec le lait, etc., etc. Voilà, et je voulais remercier le peuple marocain aussi pour son accueil chaleureux. Partout où je me déplace, on dit « soyez le bienvenu », je crois qu'on dit « marhaba ». Vous êtes dans un pays magnifique où il y a beaucoup de liberté, on peut se déplacer tranquillement. Malikoum, je m'appelle Mohamed Aïssaoui, voilà, je suis venu pour faire de l'humanitaire dans mon pays, le Maroc, qui nous accueille très bien, malgré nos péripéties au niveau douanier, qui est normal dans tous les pays, normalement. Demain, on a prévu d'aller dans les montagnes de Nsfra pour aller prendre contact avec la population et d'amener ce qu'on peut amener de bien à offrir à la population. Donc, des denrées, ce qu'on a acheté, des tentes que j'avais récupérées, que j'avais à offrir, voilà, pour que quand il fait froid, ils puissent être couverts et être bien. Voilà. Salam alaikum, donc Khairam Noujda, Candice Coiffure, Formule Sport à Avignon. J'ai allé au Maghreb pour effectuer des dons humanitaires. J'ai allé sur l'INSFA pour distribuer des couvertures chaudes parce que le froid arrive. Nous allons aussi distribuer quelques vêtements. On a aussi un petit orphelinat où on a été voir aussi une association de trisomie qui nous a touchés d'ailleurs. On a fait le petit goûter avec eux et tout. C'était tout un moment très 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 symbolique pour nous parce que ces enfants nous ont émus. Hein, David, je pense que ça nous a très émus. Donc voilà, c'est pour faire comprendre dans le monde entier, parce que malheureusement, entre le monde musulman et les chrétiens et tout ce qui est catholique et tout, il y a un tabou. Et, même au niveau de la France, il y a un amalgame. Je vais aller au bout de mes mots parce que musulman, chrétien, toute religion, on n'est que des êtres humains à la base. Donc voilà, c'est essayer d'être frère avant tout. Avant de voir la couleur de peau ou la couleur de la religion, on est des êtres humains avant tout.